C'est parti pour Bauke Mollema qui vise une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. 4 ans après le Puy-en-Velay, peut-il le faire le Néerlandais? En tout cas, il aborde ce col de Saint-Louis avec une 18 d'avant. Tiens, allez, tiens, il est au fond là-bas. Ouais. Guillaume Martin, il remonte, Guillaume Martin. Il a de la force aujourd'hui, le Normand. Il revient dans la route Quentin Paché. Omar Fraisse.